Salut à tous, comment ça va? On se retrouve déjà pour le troisième épisode de là où je recommence le jeu à zéro. Dans le dernier épisode, petit récapitulatif, vous m'avez fait acheter Nock, Montagne et Cavera. Dans cette vidéo, nous sommes passés Platine 3. Nous avons réussi notre première mission, mais la suite s'annonce encore meilleure. C'est parti justement pour la suite. Donc dans celle-ci, on va aller viser le Platine 2. Bon, je vous promets rien, facilement qu'on va se faire sécher, ou facilement qu'on va les sécher. Mais la particularité, c'est que vous m'avez conseillé d'acheter des nouveaux opérateurs. J'ai donc sélectionné les top commentaires par rapport à ces nouveaux opérateurs. Alors nous avons Lenny qui nous propose d'acheter Gustave. Alors Gustave, c'est Doc. Le commentaire de Lenny a eu 318 likes. Et bah donc on va écouter Lenny. On va également écouter DLN par rapport à son commentaire. Donc il veut qu'on achète Warden et Blitz. 137 likes pour son commentaire, on va le faire. Et par rapport à Dylan, il veut qu'on prenne Gridlock. Et bien voilà par rapport à ces nouveaux opérateurs. Bon, comme vous le voyez, j'ai que dalle. Niveau opérateur, j'ai Montagne et Nock. On va partir sur le Blitz. Allez, Blitz est débloqué. On part également, eh bien, pour Gridlock. Alors, elle est là. Gridlock également est débloqué. Bon, 10 000 renommées pour elle, ça fait un peu cher quand même. Ensuite, le bon vieux Gustave, c'est tout bon. Il est débloqué. Et il nous manque Monsieur Moustache, qui lui coûte 15 000 renommées. Donc, faut faire gaffe parce que j'ai pas des renommées illimitées. Hein. Et Monsieur Moustache Man, il est débloqué. C'est tout bon. Et puis, écoutez, on est parti pour aller chercher ce Platine 2. Bonne vidéo à tous. Allez, notre première game de placement, on a le choix entre Warden, Thorn, enfin Porn et Doc. On va partir sur un Doc, on va jouer à la simplicité les mecs. En plus c'est sur gratte-ciel, une map que je kiffe. Oh la P90, la P90. Ah les Belges, vous déconnez. Allez, on fait pas trop les cons les frérots. On est là pour monter ce compte le plus rapidement possible au diamant. En repartant de zéro, on va prouver que c'est possible. Mais là il y a vraiment moyen pour qu'on galère un peu quoi. En plus c'est ma première game. Wesh. Ils sont sérieux de jouer comme ça les gars? Vous avez vu ce qu'il a fait ou pas? Il est rentré Guéchard à la Z. Non, pourquoi ils auront froid? Oh. Non mais tranquille, faut simplement rentrer dans la game. Mais si je suis tout à fait franc avec vous, je suis pas en grande forme. Je sais pas ce que j'ai. Donc mes moves risquent d'être, comment dire, un peu affreux, c'est vrai. Oh, 2v5. On va faire ce qu'on peut, mais je sais pas si ce sera suffisant. Déjà, pourquoi ils renforcent les murs? Pourquoi je joue avec des handicapés? Putain, ça va commencer aussi ça. Il va falloir que je joue tout seul. Et ça commence à me saouler ça tout le temps aussi là. Mais regarde le Mira, il va me baiser le Mira là. Mais pourquoi il joue comme des merdes? Là il va me décaler, vas-y. Son vieux Mira de merde. Là je peux pas les gars. C'est impossible. Et le Tibi il va jouer le rappel. Vas-y, je joue avec des Cotorep. Les Cotorep, faut toujours qu'ils soient avec moi. Non mais oh, sans déconner. Vous avez déjà vu un Mira là les gars? C'est la première fois que je vois ça. Je vais jouer tout seul comme d'hab. Et ça va très bien se passer. Que la chance du diamant soit avec moi. Bon déjà, avant de parler du diamant, le Platine 2 ce sera déjà très bien. Et interrogation, motherfucker. Décale-moi, vas-y. Ah, c'est pas un bonhomme. Il sniffait mes pieds. Cochon, va. Cavera, quand elle est pas bannie, c'est tellement un kiff de la jouer. Alors qu'elle est pas cheatée, en vrai. Hein. Elle est pas plus cheatée qu'une Mélusie, par exemple. Allez, 1v2, c'est parti. Oh, la première frost. Let's go. Il est rentré. Ouais, il est là. Ah, non, le travers que je prends. Il fait même pas exprès de me tuer, les gars. Putain, mais ça me saoule déjà, là. Quand tout va mal, on sort le Blitz. Ils ont pas banni Blitz. Grossière erreur. Ah, mais 3-0, je veux bien quand même. Je veux bien qu'on perde, mais pas dans ces conditions. Non, mais franchement, la solo queue sur ce jeu, c'est incroyable. C'est les enfers. On n'a pas le choix, on fait avec. Tu passes avec moi, Ibana? Allez, c'est parti, viens. On sera plus fort à deux. Ou pas. Oh, j'ai cassé toutes les caméras. Je pourrais le mettre sur mon CV. Oh, y'a un mec. Vas-y, tue-le. Vas-y. Bien, ma couille, c'est bien. Oh, il est encore en bas, qui est né là. Faut la tuer parce qu'elle veut nous casser les couilles. Elle est là. Let's go, allez, on y va. Allez, casse la Samy, vas-y mon pote, vas-y. Laisse-moi passer devant, je push. Y'a un mec au bac. Elle est là, va te faire enculer. Désolé pour les grossièretés, mais je suis un peu énervé là. Sur montagne. Touche pas à montagne. Vas-y, plante mon pote. On va faire la remontada, elle est partie. Ok, on va le soulever. On va jouer safe surtout, très safe les gars. Parce que je sais pas s'il lui reste un C4. J'ai pas l'impression, si, il est pour montagne. Ok, montagne est mort, je suis le dernier. Oh, ok, il est flashé. Il se fait enculer. Oh putain, j'ai cru qu'il allait me la mettre. Si je fais pas la moins 4, on perd les mecs. C'est quoi ça? Vous êtes suspendu des serveurs de Rainbow Six suite à l'utilisation d'un bot? C'est quoi ça, un bot? Consultez notre charte de comportement sur le site internet. C'est quoi ça, un bot, les gars? Suspendu 15 jours? Mais qu'est-ce qui me baragouine, cela? Ah, c'est un bug? Bah oui, c'est un bug, je peux jouer. Wesh, c'est quoi ça, un bot? Oh, la tête de ma mère, ce jeu, il fait des sueurs froides. Ah, attention, les mecs, je suis un robot, je suis un bot, on sait jamais. Je parle robot, oui, c'est moi, le robot. Vas-y, Rainbow Six.
Six qui commence à me casser les couilles aussi. Allez, nique ta mère toi aussi. C'est la première fois que je vois ce message. Encore une sorte de comportement toxique. Bon, peut-être parce que j'ai insulté un mec. Ou que j'en étais qu'un. Peut-être, je sais pas. Mais un bot. C'est quoi un bot? C'est un robot? Ah, ce jeu m'étonnera toujours. Au début, j'ai cru que j'avais été banni, tu sais. Une suspension d'abandon. Ou je sais pas, que j'avais été AFK. Alors que non, moi, je suis pas allé faire caca. Non, parce que pour ceux qui connaissent l'histoire du caca, les gars. Oh, j'étais parti chier une fois, ça m'avait banni. Parce que j'étais AFK. Mais j'ai cru que ça m'avait refait le coup. Oh, mais regardez-moi ce clipping au fond. Vous avez vu l'image qui apparaît et qui disparaît? C'est incroyable. Lui aussi on l'a fait disparaître. Non. Oh putain mec, je suis con, j'ai un beat. Je suis con. Vas-y, mais celle-là je pense qu'on a perdu les mecs, c'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez les mecs tout en haut à droite là, c'est quoi tous ces trucs là Bot, je sais pas quoi. On a tous été exclus pour un bot. Wesh, regardez, mais tous étaient exclus. Vas-y, on a perdu la game en plus, mais j'espère que je suis pas banni, hein. La tête de moi, je pense que je peux péter un câble, là. C'est quoi ça, match restant avant d'être classé 9, alors que j'étais platine 3 dans le dernier épisode? Non, mais vas-y, le jeu commence à me casser les couilles, là, c'est bon. Attends, c'est quoi ça? À la suite d'actions punitives, votre rang en classé est devenu incertain et a été reset. Vous devez rejouer vos matchs de placement pour repasser en classé. Mais c'est quoi encore cette merde, là? C'est quoi ce jeu, putain, les gars? À un moment donné, c'est bon. Suspendu pour utilisation de bot, mais c'est quoi? C'est quoi un truc de bot? C'est quoi? Mais regardez, c'est quoi ces trucs de bot là-haut, là, wesh? Non, mais après, on va dire que je suis de mauvaise foi. On va dire, ouais, t'insultes Ubisoft, c'est pas bien, si t'es pas content, barre-toi. Mais c'est pas sur Rainbow Six Siege que j'en ai marre. C'est contre Ubisoft, les mecs. Oh, le jeu, il a 6 ans. 6 ans, on se fait bannir avec des bugs qui existent pas. Bot, ils ont dit bot. J'ai pas été le seul à me faire bannir, heureusement d'ailleurs. Mais c'est complètement con! C'est con! Et c'est à l'image d'Ubisoft! Oh, bah c'est bien beau! Ils veulent sortir R6 sur mobile! Oui, bah bravo Ubisoft! Il y a un dicton qui dit en fait, faut apprendre à marcher avant de vouloir apprendre à courir! Et bah c'est exactement pareil avec Rainbow Six! Avant de vouloir sortir Rainbow Six mobile, corrigez déjà la version actuelle des consoles et des PC! Je sais pas en fait, réveillez-vous! À un moment donné, je sais que vous aimez l'argent, on aime tous l'argent, y a pas de souci, y a aucun tabou par rapport à l'argent, on aime l'argent! Mais à un moment donné, arrêtez de prendre les gens pour des cons! Rainbow Six Siege, c'est le meilleur jeu au monde auquel j'ai joué, franchement je le pense! Mais Ubisoft, vous faites tellement de la merde dessus. Et faut être aveugle pour pas s'en rendre compte. On est arrivé au fait maintenant qu'il y a un bug, si on peut appeler ça un bug, qui te bannit pour aucune raison pendant 15 jours. Et vous allez me dire, ouais mais ta gueule, tu peux jouer toi. Bah parce que j'ai un smurf et heureusement. Si j'avais pas de smurf, je fais comment? Je joue pas au jeu? Ah bah nique ta mère aussi, 1v4. S'il y a des gens qui ont pas de smurf, ils se font bannir 15 jours pour rien. Et vous trouvez ça logique? Tu te demandes d'où il sort encore ce bug? 6 ans que le jeu existe, 6 ans! C'est énorme, 6 ans, pour qu'il y ait des bugs encore de cette catégorie! Ça peut arriver des fois qu'il y a un bug, mais pas un bug comme ça, les gars, pas comme ça! D'ailleurs, en commentaire, est-ce qu'il y a des gens aussi, vous l'avez, ce bug, la bot, je sais pas quoi, pour vous dire, je sais même plus exactement l'intitulé exact du message qui m'a été envoyé. Mais je sais que j'ai pas été le seul à l'avoir, parce qu'il y a des gens qui ont été bannis en game, mais est-ce que vous, dans les commentaires, il y a des gens qui l'ont eu? Et si vous pouvez, en fait, m'aiguiller, m'indiquer, en fait, à quoi ça correspond, ce bug de merde, je vous avouerai que ça me ferait plaisir. Parce qu'il y en a marre en fait sur ce jeu de se faire tout le temps enculer pour rien. Ah vas-y. Ah nique ta mère, comment il fait? Désolé, franchement là je suis sorti de ma vidéo. Mettez-vous à ma place s'il vous plaît. Je suis en train de tourner une vidéo, un concept que vous aimez bien et que moi aussi j'aime bien. Je suis en train de jouer en classé tranquillement, je demande rien à personne. Mes alliés sont nuls à chier, je perds la game. Et derrière je me fais bannir pour un bug qui n'existe pas. Sincèrement les gars, il y a de quoi devenir taré. Mais regardez-moi ça. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble. C'est vraiment une journée de merde aujourd'hui. Vraiment la pire. Et pour une fois, c'est pas de ma faute. Non, mais il y a un moment donné, faut faire quelque chose, faut réagir. Il peut pas y avoir en 2022 des bugs sur ce jeu, en fait. Des bugs de ce calibre. Ah, mais frère, c'est vraiment une journée de merde. J'ai juré, c'est la pire journée du monde. On peut pas être heureux, en fait. Je me fais tuer par mes alliés, je me fais bannir par Rainbow Six, il y a des gens viseurs fixes dans les couloirs. En fait, non, ils ont décidé que je passe une journée de merde. Sincèrement, je vois pas d'autres possibilité. Oh, il prend pas la tête, ça me choque. Et allez, mais c'est toi qui me tires dessus. Nique la ta mère. Et allez, vas-y. Nique ta mère la pute. C'est en train de me saouler. Je suis vraiment désolé, je fais des efforts pour ne pas rager d'habitude. Mais là, c'est au-dessus de mes forces. Je suis un être humain, je suis pas un robot, comme ils m'ont appelé bot, là, je sais pas quoi. C'est au-dessus de mes forces. Je suis vraiment désolé. J'aimerais tellement que Ubisoft se retire de Rainbow Six, qu'ils vendent la licence à quelqu'un de compétent. Quelqu'un, tu vois, qui sait, en fait, le jeu, bah, qu'est-ce qu'il faut faire dessus. Ubisoft, on dira, en fait, ils ont Rainbow Six entre les mains, mais ils savent pas quoi en faire. Mis à part sortir des skins, ah, ça, ils sont bons, hein. Pour sortir des contenus numériques qui font cracher de l'argent aux joueurs, ah, ça, croyez-moi, ils sont très très bons. Mais par contre, quand il s'agit de régler un bug, de le patch, ou justement, de faire en sorte que les bugs n'existent pas sur le jeu, ah, bah là, Ubisoft, ils sont moins là. Ah bah oui, forcément, c'est moins intéressant ça. C'est des clowns. À défaut d'être des incompétents. Ça me détruit les gars. Vous pouvez même pas imaginer à quel point ça me fait de la peine.
Mais sincèrement, vous trouvez ça logique de se faire bannir pour un truc qu'on a rien fait? Moi j'ai rien compris les gars, je suis en train de faire ma vidéo, je me fais bannir en direct en plus. Je suis pas en train de vous mytho, je me fais bannir en direct. Mais en plus ça me reset mon grade, je me casse les couilles à monter diamant sur un compte solo. Je suis platine 3, ce qui est déjà bien. Je vais chercher le platine 2 et derrière on me bannit et on me reset mon grade. Mais c'est du n'importe quoi, on peut le dire, je me suis fait enculer. Voilà, faut pas avoir peur des mots. Et en plus de ça, dans le pire, c'est que ça me cache une vidéo. Bah ouais, ça me détruit en fait ma série que je me casse les couilles à faire depuis des semaines. Mais ça, forcément, Ubisoft, ils s'en battent les couilles. Bah qu'est-ce que ça va changer à leur vie? Rien du tout. C'est des putains d'égoïstes qui voient que par eux-mêmes, qui s'en battent les couilles des autres. Ah, quand ils ont sorti leur pack là, de la collection Samouraï, hein, vous en faites pas que ça a pas bugué ça, hein. Ah bah non, ça risque pas de bugger, ça leur apporte de la thune. Ah bah vas-y, ça me saoule! Je suis vraiment désolé en fait pour cette vidéo de merde. Ouais bah ouais, c'est une vidéo de merde. Le thème initial c'était pas de gueuler sur Ubisoft, de rager. En plus j'essaye de me calmer, de pas trop rager en ce moment. Mais comment voulez-vous ne pas rager quand il se passe des dingueries comme il est en train de se passer? C'est impossible, c'est humain comme réaction. Maintenant ce que j'espère juste, c'est que vous aussi, c'est pas méchant, mais j'espère que vous aussi vous l'avez eu ce bug. Que je sois pas tout seul, en fait s'il y a une solution pour, je sais pas, être débanni ou n'importe quoi. Moi j'aimerais bien poursuivre ma série quoi. Regardez le clipping. Le clipping, les gars, il est affreux. Les éléments de décor, ils disparaissent. C'est incroyable. Regarde. S'il vous plaît, regardez, les gars. Regardez. Les trucs, ils disparaissent, ils apparaissent. C'est... Ah, nique ta mère. À un moment donné, au lieu de sortir Rainbow Six Mobile, votre jeu en fait qui va servir quasiment, je pense, à rien, commencez par sortir un bon FOV sur console où les éléments de décor ne disparaissent pas. Faites un jeu en fait correct, un minimum correct, le minimum. On demande pas un truc de fou, juste le minimum. J'ai jamais vu ça, un clipping pareil en 2022, mais c'est honteux les gars. Je les comprends tellement les gens qui se battent ce jeu. Regarde. C'est pas agréable de jouer comme ça. Mais regardez les gars. Allez, il y a une batteuse, il va tirer toutes ses balles. Ah, j'ai même plus envie de jouer, ça va me faire rager, là. Espèce de bâtard de mes couilles, va. Ah, niquez-les, vos darons. Donc, bah, je suis désolé, je sais pas quand je vous ferai la suite de ma vidéo où je vais chercher le diamant sur un compte à zéro agent. Je le ferai sûrement quand je serai débanni, mais apparemment, faudra refaire les games de placement. Je sais pas comment ça va se passer. Facilement que ça aussi, c'était un bug. Il y a un maro qui est rentré. Non, aujourd'hui, y a rien qui va. À tous les niveaux, je suis désolé, c'est pas de ma faute, c'est pas ma volonté première. Moi, je suis tributaire de ce jeu, enfin, de cet éditeur de merde. Parce que le jeu, je l'adore, c'est l'éditeur que je déteste. Non, mais regardez-moi ça, regarde l'image qui apparaît, qui disparaît. Pfff, n'importe quoi. Je suis mort comment, là? Dis-moi comment je suis mort, dis-le-moi! Bah vas-y! De toute façon je vais être de mauvaise foi, je vais rager. Après j'arrête les gars. Franchement j'ai envie d'éclater mon crâne sur la télé ou casser la manette, ça me rend fou. On a gagné les gars, mais c'est la fin de la vidéo. Je suis vraiment désolé pour cette vidéo de merde. Et puis écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo en espérant ne pas me refaire bannir d'ici là. Qui est peut-être possible, hein, je ne sais pas, avec cet éditeur, on peut s'attendre à tout. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, si il y en a une. Ciao les copains.